Le champ durée permet à vos utilisateurs d'entrer une durée en minutes, secondes. Pour le paramétrer, il suffit de cliquer sur plus dans une page, aller dans la liste des champs, sélectionner champ durée, et voilà, il est paramétré. On peut voir ce que ça donne dans prévisualisation, et on peut effectivement avoir un menu déroulant avec un nombre de minutes et de secondes. Le gros plus de ce champ, c'est qu'on peut l'utiliser dans les calculs pour faire une somme de durée et ainsi savoir quelle personne a travaillé combien de temps pour quel projet, par exemple, ce qui peut être très utile dans le cadre d'une feuille de temps, par exemple.